parti. Salut YouTube, re-salut YouTube. Nous sommes de retour dans la coalition de la seringue. Nous avons un raid qui nous tombe sur le coin de la pouille. Où est-ce qu'ils sont? Ah, attends, est-ce que par hasard ils tomberaient pas sur moi? Ah non, c'est bon, j'y arrive. Hop. Bon, ok. Ils sont deux groupes de deux. Donc il y a un groupe qui va arriver par là. Ce sera le premier certainement. Ouais. Donc je vais devoir d'abord m'occuper du premier groupe là-haut. Hop. Donc on va aller les chercher plutôt que de les attendre. Damned et Katox. Damned est en train de courir tout nu dehors, normal. Qu'est-ce que t'as? Ta fusil à pompe et... Ah merde! Ah non, c'est une mitrailleuse. Ah, c'est déjà mieux équipé que ça ne pouvait l'être à une époque. Quoi, la portée de ces trucs-là, c'est un peu plus grande que la mienne. Alors, il va falloir aller le chercher avec son fusil à pompe. Canton, tu vas me faire un petit saut. Le lapin. Faire le champ de foin, la taille du parc, oui, t'as raison. Hop. Même pas le programmer tout de suite. Tac. Après, j'oublie. Ah non, il fallait faire grandir. Je peux pas mettre un... Ah, c'est que c'est pas... Ça peut pas grandir. Hop. 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 Donc... ouais, il faut que je monte. Je vais leur faire des croquettes. Donc, éternel. Tac. DB Games. Tac. Lithium. Tac. Toi qui vas tirer en premier. Canton, tu vas m'attaquer. Et les copains au cac. Bim. Super Canton. Bim. Allez, on passe au suivant. Les suivants, ils arrivent, ils sont. Hop. Tac. Alors, ici à mon premier. Plus loin. Tac. Éternel, ici. DB Games, là. Ah putain, ils arrivent exactement en même temps, on fait chier. Bon signal, est-ce qu'il y a des tireurs un peu dans... C'est quoi ce qu'il a dans le dos là? Pactox, sac à dos réutilisable contenant des cartouches réactivées. Gaz toxique, leur... ils commencent à diffuser du gaz toxique. Ok, d'accord. Brûler les poumons et les yeux. Ok, donc il faut faire gaffe, c'est vraiment à défoncer à distance ça. Ah oh putain, il a un... Ouf, bordel. Ouais, c'est à défoncer tout de suite. J'aime ton jump. Bof. Tu feras un jump tout à l'heure. Toi, tu veux attaquer au corps à corps. Ouais, il commence à avoir du vrai équipement. Hop. Là, ici, DB Games, derrière. Tac.
Canton, jump. Oh, c'est bon, là, il y a quelqu'un sur la pouille. Bim, saloperie. Hop, ça, tu me laisses ouverte. Putain, il va tous me les empoisonner, quoi. Là, TB Games là, sortez de cette zone de merde. Ouais, ça ne fonctionne pas. Ok, hop, défoncez lui sa tronche. Hop, bim. Ok, bon, c'est géré. Mais alors, est-ce que j'ai du monde qui souffre? Non, c'est bon. C'est soft. J'ai personne qui est en bleeding, même pas au signal. Par contre, ils sont tous un peu empoisonnés. Ouais, c'est accumulation toxique. Bon. Alors, est-ce que toi, tu vaux le coup d'être sauvé? Déjà, est-ce que je t'ai pas trop défoncé? T'as juste perdu une jambe, c'est presque pas grave. Minage intellectuel, puriste biologique. Ouais, sachant que t'as perdu une jambe, c'est dommage, t'es stade plutôt sympa. Et j'en avais un autre, je crois, qui était presque vivant. Ah non, si, lui, là. Robuste. Bon tireur. Intellectuel, c'est bien ça. Et il a rien perdu. Bah, lui, je l'ai sauvé, très clairement. Donc, toi, tu vas te retrouver à Walpé. Par cas en hyperfibre. Bon, royo, je veux. Tac, tu vas déshabiller tout de suite. Lithium, tu vas aller me sauver celui-ci, le capturer. Et je récupère. Ah, c'est dommage, il est médiocre. Et son médiocre aussi. Merde. Ouais, tout est médiocre. Chier. Hop. Ah ouais, en plus, je récupère pourtant. Putain, il était bien équipé, lui. Vache. Hop. Tac. Tous les corps, tu me les transportes. Catox. Attends. Hop. Ouais, Catox, tu peux peut-être me faire une petite chirurgie sur lui. Alors, pas sur BB Game. Il arrive qu'on fasse des boulettes. Spikey, de toute façon, il en... Tu vas aller me le capturer. Et Catox, tu vas venir ici, histoire d'aller lui récupérer un ou deux organes. Hop, santé, opération, poumon, rein, ah non, si, hop, foie, cœur, tac, opérer, ah, tu vas me faire ça, opère, tac. Et les autres, vous pouvez vous
avait dit qu'il fallait faire ensuite. Est-ce qu'il y en a qui ont faim? Lycium, tu te trouves pas? Oui, Lycium, tu crèves la dalle. Mais tu veux me faire des croquettes. Hop. Area, pas de nutritive. Ah, tu fais chier. Tac, dépose ça. Hop. Voilà. Tac, pète nutritive non restreint. Tac. Alors, là, je suis bien en critique toujours normalement. Là, c'est croquette. Et là, pète nutritive critique. Pourquoi tu me l'as porté là d'abord? Ah merde, je suis en critique aussi. Alors. Ah oui, d'accord, je sais. Je sais pourquoi. Copier. Coller, parce que celle-là, je l'ai construite en plus. Coller. Alors, c'est quoi le jeu en gros? Salut Max Bu, bienvenue sur le live. Ah, mais c'est Max. Max Before You. C'est mon neveu. Tu ne connais pas Rimworld, c'est un tort, cher neveu. Mais t'as le droit de dire bonjour quand même, hein, je te jure. Donc c'est un jeu de gestion survie, voilà. Le jeu de gestion de colonie, pour certains, en effet. Non, putain, je me suis planté. Attends deux secondes, je reconfigure comme je veux ce truc là, tout effacé. Je veux que tu me mettes tous les plats sauf les packs nutritives et les rations de survie. Je veux les packs d'hémogènes et c'est tout. Et le tout en critique. Par contre, vous là, je veux en important. Et là, c'est en haut. Très bien. Ok. Donc oui, c'est un jeu de gestion de survie, de gestion de colonie, gestion de survie, de nage, je vais y arriver, survie et gestion de colonie. Donc tu gères une équipe de colons qui débarquent dans une zone sur une planète. Voilà, la planète, elle est grande. Elle est plus ou moins grande, hein, tu peux la configurer comme tu veux. Chacun des symboles, bah, c'est un autre village qui appartient à différentes factions. Nous, on est là. Et donc, tu débarques avec pas grand-chose. En particulier, tu débarques avec une base bah, qui n'a rien, pour ainsi dire. Et donc il faut que tu arrives à partir d'une base qui n'a rien à te démerder comme tu peux. Et c'est pas toujours facile. J'ai besoin d'aluminer, je manque de caillasse. Voilà, donc tu as plein d'options à ta disposition. Tu peux faire plein de choses absolument formidables. Et au final, bah, tu t'inventes des histoires, tu survis comme tu peux, des fois tu as des raids de gens pas très gentils qui en veulent beaucoup à toutes tes richesses que tu as réussi à accumuler durement. Et il faut que tu te retrouves à être obligé de leur défoncer la tronche, parce que c'est la dure loi du rime. Ah oui, c'est vrai que là aussi j'ai des gens, des trucs à aller chercher. Tac. Donc voilà, faut se battre parce que bah ils en veulent tous à ton bon argent. On peut perdre, oui, on peut perdre. On peut se retrouver avec une base qui se fait complètement dépouiller. DB Games, t'as besoin de soin, pourquoi tu veux pas te faire soigner?
Tu peux te retrouver avec des raids qui sont tellement gros que t'arrives plus à les gérer. Oh bah zut alors. Résidemment. Ah non, c'est juste que j'ai pas récupéré. Voilà, donc là je viens de me faire attaquer en fait. Typiquement. Et si j'avais pas su gérer, ben je me serais retrouvé avec des gens qui auraient fini par tout détruire de ma base, tout tuer mes gens, etc. Mais au final, ils ont perdu. Donc là, tu vois, il y en a un que j'ai capturé. Et typiquement, bah, je lui ai extrait des organes. Donc là, je lui ai pris un poumon. J'ai raté de lui prendre un rein. Je suis quand même un peu déçu. Ouais, j'en ai tué quelques-uns. Bon, déçu de ne pas avoir réussi à lui récupérer un organe. Que tu pourrais, s'il te plaît. Ah, c'est bon, tiens. Apporter de la bouffe. Oh la vache, il a tout bouffé, quoi. Les saligauds. Père est décédé pendant l'accident. Oh, je suis tellement déçu. Allez, on dégage. Hop. Et c'est à Spikey. C'est un jeu qui, on va dire, est pas spécialement un truc de bisounours. C'est pas exactement prévu pour. Pourquoi est-ce que là tu me fous des pâtes nutritives? C'est n'importe quoi. Pâtes nutritives. Ah oui, c'est-à-dire que ça a pas besoin d'être surgelé. Bah si, ça a besoin d'être surgelé. C'est juste les rations de survie qui ne peuvent pas être surgelées. Tac tac tac, priorité importante. Voilà, donc tu as plein de trucs à construire. Tu vas construire des murs, des portes, clôtures, portails pour. Tu vois, j'ai des animaux ici. Tu vas avoir des trucs de production. Donc, sculpture, fonderie, brassage, je fais de la bière, je fais des drogues, je fais voilà, une forge pour faire des armes, etc. Tu peux effectivement, l'objectif, en fait, tu termines quand tu construis une fusée, et quand tu arrives à la démarrer et à la faire fonctionner, tu vas construire voilà, toutes sortes de mobilier, des lits, là, des prisons. Tiens d'ailleurs, prisonnier à recruter. Tac. Voilà, bref, absolument plein de choses à faire. Et c'est un jeu, ma foi, assez sympathique. Il va faire tout noir dans la cuisine. TG, j'ai pas compris. Explique-moi parce que j'ai pas compris. L'ai pas compris. Subnautica, j'ai jamais joué à Subnautica. Donc, peut-être. Ah voilà, j'ai fait des prothèses. Donc, je vais pouvoir installer des prothèses. Alors, non. Hop. À gauche. Hop. Bras gauche, installer une prothèse de bras gauche. Hop. Tac. Pour éternel. Il a déjà joué Canton à Subnautica? Torse, tac, épaule gauche. Hop. Ah merde, attends. J'en avais fait qu'une seule. Elles sont où mes prothèses? Elles sont là. Prothèses de bras.
Non, j'ai deux prothèses de bras. Donc ça devrait le faire. Et j'avais besoin de... Ouais. Un film nul de Besson. Enfin, ça, il y en a quelques-uns des films nuls de Besson. Et ben, donc je ne sais pas si la comparaison est valide ou pas. On avait dit... là, il me faut une prothèse de jambe. Attends, qui est-ce qui avait perdu tout simplement une jambe? Épaule. Ah oui, non, il n'y a que lui. Bon, bah, hop. Une prothèse de jambe à gauche. Tac. Côté jeu de survie. Bon, en général, quand même, quand on fait des opérations, on sauvegarde avant. Histoire d'éviter ce qu'il arrive. T'as combien de temps en médecine? 5,54. Mais pour quelle raison est-ce qu'un mec qui a 5,54 est celui qui fait les opérations? Putain, je trouve ça débile. Caneton. Qu'est-ce que tu fous? Transport de bloc d'ardoise. Mais non, non, non. Opère. Et catox. Ah. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un mode qui faisait que c'était le meilleur médecin qui faisait le plus d'opérations. Il faudrait que je l'installe aussi. C'est utile ce que tu viens de faire, Canton. Mine du marron, mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, sérieux. Non, ici, oh putain. Mais vous m'emmerdez, bordel. Pourquoi je peux pas? Il manque une prothèse de jambe. Mais tu te fous de ma gueule, j'en ai une là. Trop de balle. C'est qu'elle est pas dans le stock, du coup. Putain. Récupérer. Non, d'accord, ok. C'est pour ça. Ok, je vais y arriver. Ouh. Bordel. Alors, éternel, c'est fait. Tu as désormais une prothèse de bras. DB Games, c'est fait. Tu as désormais une prothèse de bras. Merci pour le follow. Alors, tu verras, c'est une chaîne, il n'y a pas que moi qui stream. C'est une chaîne communautaire. Donc on est plusieurs à faire régulièrement des streams par ici. Donc avec différentes sortes de jeux. Manque un peu de lumière dans cette pièce. Tac. Et il y a tout ça.
Ce stream, on est trois à faire du streaming maintenant. Depuis peu, puisque je viens tout juste de débuter. Hein. Je suis un noob. Un noob en streaming. Ça fait quelques temps maintenant que je fais. Que j'explique à Canton et à ceux qui regarderont plus tard. Max, c'est mon neveu. Donc c'est pour ça qu'il parle de façon un peu plus. Un peu différente peut-être d'autres. Ça fait déjà quelques temps maintenant que je fais des vidéos. Que je YouTubeise un petit peu. Sur la chaîne, en fait, la chaîne est gérée en quelque sorte par des gens qui sont devenus, on va dire, des potes. Oh, un bandeau de fourrure bleue. Mais qu'est-ce que tu fais de... Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais un bandeau de fourrure? Parce que j'ai dû te le demander, sans doute. Mais des conneries. Bon, bref. Voilà, donc ça fait quelques temps que je fais des vidéos... Parce que bah voilà, je suivais la chaîne depuis un certain temps et puis ça me faisait un peu envie. Et puis bah voilà, au fil de fil en aiguille, j'en suis venu à faire me lancer dans le streaming depuis peu, donc sur RimWorld, que je connais bien, que je maîtrise bien, c'est quand même plus facile de streamer sur un jeu que tu maîtrises bien. C'est ça. C'est de l'exploitation. Exactement. Je vais me révolter. Voilà, le signe noir, c'est le chef en quelque sorte de la. Le chef de l'équipe. C'est lui qui a créé la chaîne au départ. Et qui donc. Qui fait quand même beaucoup de boulot. Hein. On pourra dire ce qu'on voudra, mais mine de rien, il fait quand même beaucoup de choses pour que cette chaîne tourne bien. Et ça tourne pas si mal que ça. Il n'y a pas beaucoup de viewers, mais c'est pas grave. On préfère la qualité à la quantité. Quand on a des gens comme Canton, franchement. Ça gère, quoi. Bon. J'ai du monde qui n'a rien à faire. Ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que vous allez pas me tailler des caillasses? Hop. Parce que c'est Canton qui est réservé. Mais Canton, il pourrait faire autre chose peut-être. Je sais pas. Canton, il pourrait miner par exemple. Pour lui dire de miner plus et que ce soit d'autres. Là, toi, tu fais quoi? Bah, toi, tu es forte en minage aussi. Toi, tu es pas trop mauvais en minage. Tom, tu es. Hop. Attention à ce que tu dis, jeune Blanbec. Hop, allez. Le glandé. Quelle montagne devons-nous abattre? Alors, nous allons abattre, et ça va aller vite, parce que vu le nombre de mineurs qu'il y a, je vais agrandir cet espace-là. Je voulais aller ici, histoire d'avoir un accès plus direct à ma zone de stockage, là. Donc, tu vas me faire une porte. Tac. Quand vous aurez fini ça, vous allez me miner. Je sais pas si j'en ai besoin, mais hop, on va grandir là aussi. Non, j'ai pas envoyé le tir actif, en effet. Non, j'ai voulu faire un run avec que idéologie. De l'acier, j'ai largement tout ce qu'il me faut en acier, donc c'est pas la peine d'aller chercher d'autres composants. Par contre, ça pourrait peut-être valoir le coup. Ah oui, il me reste que 3. Donc, très clairement, composants, je mide. Une d'Adonf.
Où est-ce que j'ai d'autres composants? Est-ce qu'il m'en reste? Sur la carte. Oui, là. Mid. Voilà. Là, des composants. Comment ça? Damned est inactif. Ouais, bon, ça, à la limite, il a le droit. C'est un gamin. Hop. Damned a le droit d'être inactif. DB Games. Hop. Ouais, sauf que du coup, attends, ça c'est pas cool. Il faudra quand même que Tom, tu me fasses en priorité ça. Dès que tu m'auras fini ce bloc-là, tac. C'est quoi, t'en as 20 là? Merde. Attends, tu vas m'annuler ça. Tu vas me faire en priorité cela. Là, de toute façon, c'est ouvert aux quatre vents, donc... Tu te fous de ma gueule? Mais tu te fous de ma gueule. Oh non. Grosse faim, bordel. Inactif dans le frigo. Non, là, il pionce. Chier. Grosse faim. Le mec, il était en train de manger, et il fait une crise. Non, mais n'importe quoi. Caneton. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est bon comme constructeur? Si c'est DB Games, tu dors pas encore. Si, tu vas. Très bien. C'est juste en extérieur, non, ça craint pas spécialement. Tiens, si je te disais de faire une grande sculpture là. En marbre, en jade. Ouais, je sais que tu voudrais ton lit royal, toi. Est-ce que je te fais un lit royal? Il en faut combien de lits royaux? Mobilier. Eh ben, il n'y a pas assez de lits royaux. Putain. Oh la vache. Allez. C'est bien parce que c'est toi. Hein. Et que j'ai suffisamment d'or pour faire également le... Comment le multi-machin truc là quand... multi-analyseur comme j'aurais terminé. Et là du coup... grande sculpture en jade. Voilà. C'est combien? C'est une grande sculpture. Il en faut combien? 100, c'est ça. On en a encore suffisamment derrière pour le lit. Hop, répéter en boucle. Rossignol, t'as combien en artistique? 6. Pas terrible. Pas mieux en artistique. Si j'ai Katox qui est meilleur. Il y a 8. C'est pas grave. Donc, constructeur, nettoie les saletés, et bien, oh mais merde, DB Games, bam, ça va me faire de l'ardoise, j'en ai besoin. Termine cette merde. Non, dans ce chrononieux. Il y a beaucoup de petits trucs à chasser là. Parce que...
but ce truc là, tac. Pas trop que ça traîne dans mon enclos. Ça vient de bouffer, mais même pas de nutritif comme je l'en fais. Ok, là je vais pouvoir faire des lumières aussi. Ah, une évasion. Mais avez-vous le droit de vous évader, messieurs, dames? Vous en ai-je donné l'autorisation? C'est qui? C'est Shadow qui veut se... avec sa belle crête, là. Eh ben, j'ai plein de gens qui ont... des masses. Un signal qui dort. Ah oui. Hop. Oh merde, t'es à perpète. DB Games, non. Mission non plus. Tom, un coup de lance. Non, pas top. Ouais, écoute, au signal, tu vas te réveiller. Hein. Coucou. Le mec, il a 4 en main. Il est à main nue et il assomme. Moi, j'ai... Ouais, j'ai pas beaucoup en main non plus. Mais... Putain, il va me foutre à chaise, tu vas voir. Bordel. Oh, merde. Bon. Tom. Bien. C'est comme ça qu'on parle. Capturer. Et secourir au signal. Le mec il nettoie quoi. Les ne peuvent pas se servir de pâte nutritive. Comment ça? Ah mais non. Non mais les... je suis pauvre. J'en sais rien, pour être tout à fait franc. De pâte nutritive pour qui? Pour les animaux, tu veux dire? Ah bah, Ketox. Oui, ah oui. Ouais. C'est pas faux. C'est vrai que j'ai pas mal de quoi faire. Hein. Je sais pas, alors les yaks, les cochons, effectivement, ils aimeraient sans doute. Alors, je vais peut-être... Ouais. Ouais, ça peut être une idée. Je vais faire une décharge. Hop. Avec des corps frais. Hop. Uniquement. Hop. Hop. Et pas les colons. Des fois que. Du coup, critique. Et là, je vais le mettre juste en important. Comme ça, effectivement, les cochons pourraient manger au moins ça. Très bonne suggestion. Ah, nous armes. Tom et Rossignol. Eh ben voilà qui est parfait. Alors, il va me falloir un autre lit double. Eh ben ça tombe bien, je suis sur le point. Ah ben non, j'en ai un là, le lit double. Il est un peu pourrave, mais... tiens, Rossignol, t'as plus ton arme. Euh...
Au final, lui, comme il se fait défoncer. Hop, tu veux me l'installer. La chambre de Rossignol est là. Tac, je la déplacerai ensuite. Très bien. Tiens, va chercher ton tac. Désinstaller. Hop. Et ça va donc être celui de Rossignol et de Tom. Il les amoureux. Quête expirée. C'est plus que c'était. On va pouvoir recycler notre ligne. C'est ça. On a fait des nuls. Tiens, est-ce que je... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les Trumbos. Ici, je vais les chasser un peu. Hop. Chasser les petites merdes là. Hop. On risque rien. Parce que mine de rien, la bouffe, ça commence à disparaître. Est-ce que j'ai un psychopathe dans mes gens? Agile, cancre, magnifique, artiste, torturé, cannibale. Ouais, j'ai oublié que Katox était cannibale, quoi. Docteur Mulanab. Non, j'ai pas de... Très bien fait. Bon plan les... Ah ouais, très efficace. Pour nourrir les cochons. Ils se font bouffer en deux. C'est gore. J'adore ce jeu. Pète nutritive, peut-être. Pour du poulet yak. J'ai besoin d'un colon qui a faim. C'est qui a le plus faim. 35. Ici, où es-tu? Tu rassembles des composants. Et ben, tu vas d'abord me rassembler des de la pâte nutritive. Je parie que tu te retrouves encore avec un plaçable sur toi, j'en étais sûr. Hop, voilà. Et... Ah merde, t'as pas assez faim encore. Il faudra attendre. Je vais arrêter de lui faire faire de la boue. Raffiner. Un peu, mais pas trop. Ah, Lucien. C'est pas pour toi. En faire, mais c'est pas pour toi. C'est pour les yaks. Hop. Rossignol nous fait une crise. Eh ben. Alors qu'il est une. Il y a une nouvelle amoureuse. Putain que c'est long à construire ça. Les lits royaux, mais laisse tomber quoi. Multi-analyseur. Si on se faisait des protections.
Vêtements pareils, j'ai besoin d'armure de plate. Et ensuite de gilets pare-balles. Est-ce que j'ai du tissu en stock? Oui, j'ai du tissu en stock. Je pourrais peut-être le faire. Ce serait bien aussi s'il avance un peu sur le. Il me fasse davantage d'établi de tailleur de pierre. Tac. Faire un accès direct ici. Toi, tu pourrais. Tac. Et du coup, je pourrais installer ça par là. Tac. Alors, multi-analyseur, build. Dans divers, ce que j'ai toujours trouvé complètement débile. J'ai pas trop de place pour le placer pour mettre. Multi-analyseur. Tac. Moi ça. Tout juste. Hein. Bon, la crise de boulimie, c'est pas cool quand on est un peu en débitant au niveau bouffe. Parquer dans les maisons, ça pourrait donner un peu de morale. Ouais, il faut que je recoupe du bois pour ça. Hop. Tac. Un peu de bois. Du coup, Katox, elle fait de la bouffe en boucle. Elle a pas le temps de. En fait, elle a pas le temps de faire artisanat, quoi. Faudrait que je mette quelqu'un d'autre en artisanat un peu avancé là. Aussi, qu'est-ce qu'il me fait en général, Rossignol? Oui, bon, là, il est blessé, Rossignol. Tom, c'est quand même mon constructeur principal. Avec Canton. Spikey, il fait quoi? Fermi, il pourrait faire de ça. Ouais, je vais d'abord que tu me fasses ça. Tu vas me mettre en 1 pour l'instant. Histoire que je termine mes pièces. Et oui, la table de billard, j'y pensais. J'y pensais tout à fait. Mais pour ça, c'est pareil, en fait, j'ai besoin de matériaux de construction, j'ai besoin de marbre, j'ai besoin de. Et en fait, pour ça, il faut que j'ai davantage de gens qui me fassent des blocs de pierre. Puis ça m'intéresserait qu'ils fassent du marbre aussi. Pour avoir des trucs un peu jolis. Tac, péter jusqu'à en avoir, hop, 200. La nourriture se fait rare, bah ouais, je me doute un peu. Tac. Ouais, sinon, je vais chasser le Megatherium. Ouais, aussi, je pourrais peut-être voir me tenter le Trumbos. J'ai peut-être de quoi le faire là. J'ai jamais trop testé des Trumbos. C'est clair. Il a un peu du mal le père aussi. Pourquoi? Ah, les gènes du bébé. Est-ce qu'ils vont arriver à faire un vampire, moi, quand même?
Ouais, le méga, bah, c'est sûr que c'est plus safe, mais pour le challenge. Il est où le 3? Il est là. Tac. Mais je vais y aller avec Spikey plus Éternel plus Canton en renfort, en fait. Dès que Spikey aura fini son. Tac. Allez, tac. Voir plus lui. Plus DBK, ouais. Comme ça, normalement, ça devrait passer assez facilement. Là, il est gentil. Il se rapproche de moi. C'est pas pour sortir par hasard. Je serais pas sur le point de t'en aller. Au moment où je veux justement te chasser. Hop. C'est pas ton genre. Tac. Hop. Bah voilà, ouais, c'est easy, franchement. Moi je suis sûr que le Trumbos on peut le faire. J'ai envie de tester. Je suis comme ça, moi. Tac. Que je non je peux pas le dompter. Attends, est-ce que je peux, ah attends, si je peux le dompter. Ah oui, parce qu'avec mon, ah, c'est DB Games qui doit pouvoir. Ah oui, et non, attends, qu'est-ce qu'il faut? Dresseur lithium, lithium à 10 en animal, il faut pas avoir 12. Ah non, je croyais que c'était 12. Bon allez. Je vais essayer de le dompter. Tac. Il en est où lui? Résistance 10,4. Bon, je commence à avoir fermé cette pièce. Ah merde, il me manque encore une porte là. Non, je vais pas mettre de porte là. Mur, ça ira très bien. Hop. Hop. Une affaire de bébé. Ici. Et loisir. Une petite table de billard. Bon, je la fais en acier. Propice à la chirurgie. Bien. Je n'ai pas encore prévu de. Un mur de plaie. Putain, ça commence à aller vite. Faites-moi pour balle. Allez, un petit raid. Hop. Ça qui est bon. Lumière là, ce serait pas mal non plus. Et là. Alors, ah non, c'est un loup des bois. Il prend chasse à Aoi. Qu'est-ce qu'il est à Aoi? La perpète. Putain. Tac. Éternel, Canton, Midiou. Tac. Et chasser.
Connecter. Bim. Oh, fais chier. Non, mais je te jure. Et on va arriver à la conclusion de ce lit royal, ou presque. Il reste juste 900 encore de... 900 tics de construction, quoi. C'est presque rien. Ah mais je suis con, je peux pas le dresser, j'ai rien à lui donner à bouffer. Bon, laisse tomber. Laisse tomber. Catoxo, sa grossesse progressée. Deuxième trimestre. Putain, j'ai une quantité de bordel dans mes placards là. Bandoulière lourde, ça permet quoi? Permet un accès rapide aux balles. Facteur de recharge à distance, moins 1%. C'est pas mal. Ah, ne peut pas être porté sous d'autres vêtements. Bon, je sais pas si ça peut l'intéresser. On va avoir une. Je vais mettre, on fait gaffe. Ça, pourquoi tu me construis pas? J'ai pas assez de composants ici. Ah, est-ce que j'ai du plastacier? J'ai pas de plastacier, merde. C'est ballot ça. Ah, ça y est, Tom a fini. Excellent, bravo. Alors, hop. Tiens. Bah non, attends. Tu vas me désinstaller ça en fait. Non, désinstaller. Hop. Déplace-moi ça. Donc ça maintenant c'est plus à Canton et Catox. C'est à Rossignol et Tom. Tac. Et toi. Hop. Catox. Tac. Donc ça, c'est à nos deux fondateur. Voilà. Ça y est, Rossignol. Ça y est, Canton. J'espère que t'es content. Bon, ici, j'ai enfin fini mes pièces. Mais elles sont juste effectivement assez moches. Parce que... Ouais, j'ai pas l'impression qu'il va y venir. C'est plutôt plus calme ce soir. Heureusement, il y avait Super Canton qui est toujours, toujours d'attaque. Toujours prêt à nous faire... à nous divertir.
Fais-moi ça histoire que je puisse mettre des câbles électriques là-dedans. Rossignol est guéri. Wouhou! J'aurais le faible. Il me faisait une petite tape pour qu'il puisse bouffer. Sur. Non, ici. Puisse bouffer la table plutôt que par terre. Oh, il fait chier le cochon. Il abuse, sérieux. Il a des bons corps à manger. Et au lieu de ça, il veut bouffer la pète nutritive. Caravane. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Des neurones entraînés en bonne entente. Mais quoi, 12 vestes de qualité normale ou mieux. Moi, c'est faisable. Vu ce que j'ai comme. Pouh, pas de soucis. Allez. Séparer les cochons et les yaks. Mais non, en fait, le problème, c'est. Ouais, il faudrait que je fasse dans ce cas-là deux enclos. Si c'est ce que tu suggères. Mais là, en fait, le problème, c'est que je donne. Je mets la pète nutritive qui est accessible pour tout le monde. Bon, écoute, tant qu'ils sont pas en. Tant qu'il me dit pas que les yaks, les animaux n'ont pas de quoi bouffer. Je m'inquiète pas plus que ça. Bon, je m'inquiète un peu de la. Là, je m'inquiète un peu parce que. Ça va commencer un peu à être la dèche si une. L'autre solution, c'est quand même de se séparer. La truie, elle est tout le temps enceinte, bordel. Ouais. Comment il est? Je pourrais aussi me dire que au niveau des animaux, Drigoret, le porcelet. Ouais, non, j'ai qu'un seul verra et qu'un seul. J'ai que des femelles sinon. Composant, est-ce que c'est toujours le drame? Est-ce que j'en ai définitivement plus ou est-ce qu'il m'en reste quelque part un peu? La nourriture se fait rare. Je pourrais aussi peut-être rechercher. Les bassins hippodromiques, quand j'aurai terminé les vêtements, je vais aller faire les bassins hippodromiques, histoire de pouvoir fournisseur unitaire. Oh, toi, tu vas m'intéresser. Vengeance de la louve arctique. Bim, ah, d'accord, ça c'est fait. Ok. Alors, avant qu'il ne s'en aille, Silicium, je crois, ma causeuse. Collier, lithium, pingo. Parce que comme il fait froid, je vois bien qu'il se barre pas. Il est où? Il est là.
Non, c'est bon. Attends, il a l'air de... Alors, tu vas déjà me prendre tout ce dont j'ai rien à foutre. Tout ce qui est médiocre. Hop. Bisous Max, à bientôt. Je vais pas, de toute façon, moi je vais pas tarder à m'arrêter aussi. Tout ce qui est normal. Hop. Japon, mitrailleuse. Chapeau de cow-boy. Pantalon à 10%, ouais, t'as raison. Tissu. Ouais, c'est nul ça. Parka normal, un peu dommage. Manteau en santé, pas mal. Qu'est-ce que je vais te prendre? Je vais prendre une épée Mikan, arme médicinale. Ça, de toute façon, c'est intéressant. Pour le reste, c'est vraiment de la merde. Et genre de la merde, grosse bouse. Ouais, sinon, je prends ça pour en faire de la bouffe, mais ça fait un peu cher la bouffe quand même. Tout ce qui est en tissu. Hop. Bah, du coup, normal. Hop. Tac. 534. Qu'est-ce qui me reste de revendable? Ah, la bandoulière, à mon avis, ils vont pas l'utiliser. Ça comme ça. Pa-pa-da-pa-dum. Chapeau de cow-boy en fourrure. Carabine de survie excellente. Bah, j'ai de la bière à te filer. J'ai des pétards à te filer. Hop. Voilà. J'ai de l'ambroisie à te filer. 911, on arrive, tout ça, ça coûte un peu plus cher. Et ben, on va compléter par chapeau, et voilà, ça fait la thune. Un jour, j'en aurai peut-être besoin. Chope-toi ça, t'es à côté. Et moi, ça me fait de la place. Ici, un risque de démence majeure. Bon. 2h30 de live, c'est pas mal. Notre colonie se développe bien. Juste, comme d'hab, un peu la merde sur la bouffe. On est en quoi? On est en juillet, août. Je sais pas quand est-ce que ça se termine du coup. Vive le pôle sud. Hop. Je peux le mettre. Allez. Canton. Je vais m'arrêter là. Amis qui me verrez un peu plus tard, je vous souhaite une... J'espère que ces vidéos vous ont bien plu et que tout va bien pour vous. Je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt les amis. Je vais couper. Voilà. Allez, bye bye. Bye à la VOD.